Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve sur du Rebirth, donc le remake de Resident Evil. Donc c'est parti, on va s'attaquer évidemment au serpent, donc dans la bibliothèque. Donc je suis équipé, je vais mettre direct le lance-grenade. Donc normalement ça devrait bien se passer, je dis bien normalement. En espérant que ça se passe bien, puisque le premier passage du serpent, comme vous le savez, ça s'est passé pas terrible, hein, ça aurait pu être carrément mieux que ça. Donc là, j'espère que ça se passera un peu mieux quand même. Que je me fasse pas trop troller, même si j'ai quand même pas mal de soins de côté, hein, mais bon. Ça me fera un peu chier quand même d'en dépenser beaucoup pour ce passage qui normalement se fait sans trop de problèmes, parce que je vais essayer d'une technique que je fais rarement, mais là je vais essayer pour voir ce que ça donne. Parce que justement, je vous avais parlé l'autre fois avec Lisa Trevor. Que quand on monte un décor ou un truc comme ça, si vous voulez, ou une échelle par exemple, on est invincible pendant ce passage-là. Je vous avais expliqué hein, comment ça fonctionnait. Et donc ouais, ça c'est Stenim à la con, on peut faire ça vite. Ouais, donc je vais déséquiper ça parce que si j'avance lentement, ça le fait pas. Donc j'en étais où? Oui, donc je vais essayer justement de faire ça, cette technique-là, d'être invincible justement en appuyant exprès sur l'échelle. Comme ça, je grimpe l'échelle, hop, il m'attaque pas. Et pendant ce temps-là, moi, dès que je monte, je lui inflige 2-3 dégâts. Putain, si je perds mon temps comme ça. Tac. De toute façon, c'est pas grave, faut le faire en plusieurs fois, il me semble. Mais bon, dès qu'on a mis l'instinct dessus, de toute façon, on s'en fout, on peut pas se faire écraser. Hein. Ça va juste la bloquer, forcément. Voilà. Hop, on fait demi-tour. Et on recommence. Donc là, par contre, on a un laps de temps un petit peu moins long, puisque la statue est entre les deux. Donc faut se dépêcher pour éviter de finir en compote. Alors, tac, merde. Hop. Allez, pousse. Donc là, j'ai peut-être le devoir le refaire, je sais pas, on va voir ça. Parce que normalement, dès qu'on arrive au bout, les murs s'écartent, mais à mon avis, c'est mort. Presque au bout, mais pas assez. Il y a encore un petit coup de pouce et c'est bon, je pense. Donc je rappuie. Donc ça, c'est pareil, ça a été rajouté, il n'y avait pas ça dans l'original. Bon, c'est une petite... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une énigme, c'est plus un piège mortel, si je peux dire. Parce que si on reste derrière, comme je vous dis, on se fait écraser. Par contre, ils sont gentils, voilà, mais je voyais pas ma tronche. Ah, normalement, si je pousse, c'est bon. Hein. C'est pas bon, ça, normalement. Ça aurait dû pousser, là. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Ça voulait pas la pousser, normalement, quand on la met jusqu'au bout. Après, ça se fait automatiquement, je crois. J'ai pas capté, là. On va refaire ça. Ah, c'est un petit peu bizarre, il me semblait que c'était comme ça que ça marchait. Ouais, il veut pas la pousser, donc bah, je vais le refaire parce que là c'est trop tard du coup. Mais ouais, il me semblait que c'était pas... ça se faisait automatique après. Mais non, faut quand même la pousser un peu apparemment. Donc tant pis, c'est pas grave. C'est juste un peu plus long. On se dépêche forcément. Le temps presse. Voilà. Ah, il me semblait que ça se faisait automatique, ça j'avais pas le souvenir, fallait carrément pousser jusqu'au bout. Bref. Des souvenirs lointains. Alors ça c'est quoi? Encore un poignard, dis donc. Ils en mettent la dose, hein. Déjà que j'ai pas mal de soins. Ah oui, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a au fond. Bah oui, on va descendre de toute façon. Donc ça, par contre, je rééquipe. Ah merde, putain, il y a le téléphone qui sonne. On va attendre un petit peu. Donc, mais voilà, encore désolé pour la petite coupure. Donc c'est parti. On descend le trou. Même si on sait pas ce qu'il y a dedans. Faut vraiment être un peu suicidaire, d'ailleurs. Alors, un petit livre. Dernier livre, volume 1. Alors ça, c'est marrant, parce que dans l'original, il est pas du tout là, le truc. Et la plaque.
Donc ça, c'est la fausse tombe de George Trevor, hein, je vous avais expliqué dans le 1, donc ça n'a pas changé. Et là, c'est le reste de son manuel, je crois, il me semble, où il va justement expliquer que c'est sa tombe, d'ailleurs, je crois, dans celui-là, puisque dans l'original, on ne savait pas. Hein. Donc le 29 novembre 1967, je suis comme un rat, j'ai tout essayé, mais à chaque fois, je me suis heurté à la même réalité, je suis pris au piège. Je suis allé partout, le laboratoire et ses grands tubes de verre remplis de formol et ses souterrains sombres et effrayants, que faire ? Au début, je refusais d'y croire, mais cette chaussure à talons hauts dans le couloir, ça a été comme un réflexe. Un seul nom m'est venu à l'esprit, Jessica. Donc ça, c'est sa femme. Je ne veux pas croire qu'elle partage le même sort que moi. Non, je ne cesserai jamais d'espérer, je dois me dire qu'elles sont toujours en vie. Le 30 novembre 1967, je n'ai rien bu ni mangé depuis plusieurs jours, j'ai l'impression de perdre la raison. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Qu'ai-je fait pour mériter une mort pareille ? J'étais si obsédé par l'architecture de ce manoir, j'aurais dû me douter de quelque chose. Le 31 novembre 1967, un tunnel souterrain sombre et humide, une autre impasse, mais dans l'obscurité, quelque chose a attiré mon regard. J'ai prudemment allumé ma dernière allumette pour voir ce que c'était. Une tombe. Donc c'est là où on est. Mon nom était profondément gravé dans la pierre, George Trevor. C'est là que j'ai compris, ces salauds savaient depuis le début que je laisserais ma peau ici et que je tomberais dans leur piège. Mais c'est trop tard maintenant, je perds mes esprits, tout n'est plus qu'un vague souvenir, Jessica, Lisa, pardonnez-moi. Mon ego m'a poussé à vous impliquer tous les deux dans cette conspiration, pardonnez-moi que Dieu justifie ma mort en vous laissant la vie sauve. Malheureusement, c'est pas vraiment comme ça que ça a marché. Donc voilà, George Trevor. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé dans ce petit tunnel et qu'il allumait sa dernière allumette. Puis après on sait où il atterrit, hein, dans l'espèce de crypte à l'extérieur, suspendu, dans un cercueil tout à fait basique. Et nous, bah, on le bute, puisque monsieur a décidé de se transformer forcément. Alors le serpent, en fait, c'est pas maintenant, ok. Ça, je me rappelais pas. Heureusement que j'ai pris le pompe, par contre je suis un peu plein, du coup ils sont sympas. Mais ouais, cette partie du jeu là, je me rappelle plus du tout. Hein. Donc l'araignée, je préfère la buter, de toute façon il n'y en a qu'une. Enfin, il n'y en aura pas qu'une dans partout, mais... Ah, ok. Voilà, je préfère les buter, comme ça je suis tranquille. Mais ouais, putain, je croyais que le serpent était juste après. Moi. Comme je vous dis, hein, j'ai pas refait le jeu. Hein, la dernière fois que je l'ai vu, que ça m'a remonté un petit peu des souvenirs, c'est quand j'ai regardé le walkthrough, bah, sur... S'il se passe encore. Ah oui, c'est vrai, il y a les petites araignées à la con. C'est quand... Ah oui, il y en a encore une autre, encore. Voilà, crève. Mais c'est quand j'ai regardé le walkthrough de Rudy Gustin, quoi. Donc c'est ça qui m'a rappelé un peu quelques souvenirs. Mais depuis, j'ai pas rejoué du tout, hein, puisque comme je vous dis, j'y joue rarement, donc... Donc voilà quoi. C'est pour ça forcément, comme je vous dis, déjà je confonds avec le 1. Et puis voilà, donc ici est-ce qu'il y a des objets? C'est en rouge, donc il y a des trucs à prendre normalement. Alors ici apparemment il n'y a rien. Donc ça doit être par là-bas. Donc il y a plein d'araignées partout forcément. Ah, il y a le plan. Ça va être utile. Tac. Donc ça permet de voir où on va. C'est déjà ça. C'est toujours en rouge, donc quelque chose à prendre, je sais pas où c'est. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et je voyais rien, j'ai appuyé au pif parce que là je la vois pas leur caisse de munitions. Enfin je l'ai pas vu quoi. Donc heureusement que j'appuie parce que là c'est tellement sombre qu'on voit que dalle quoi. Donc voilà, là ça va me faire atterrir où si j'arrive par là? Ouais, donc là je vais retourner, ça va me donner sur la cuisine si je vais là-bas. Donc bah c'est ce que je vais faire, de toute façon il n'y a pas 36 choix possibles, puisque moi je viens de là-bas. Donc encore une fois c'est différent du jeu original. Ils ont remanié un petit peu le sous-sol on va dire. Ce sous-sol de l'original était un petit peu plus grand, hein. Puis il y avait des zombies. Ouais je dis ça, il y avait des zombies mais il y en a là aussi. Allez, viens par là, Bobby. Je t'attends. Alors, je regarde ce que j'ai. Normalement, j'ai deux dagues, ouais. Bon, je vais utiliser ça, au cas où. Je préfère équiper ça. Parce que les autres, ça one-shot, donc faut mieux s'en servir rarement.
Donc je vais essayer de lui faire un headshot. Mais apparemment il a pas l'air d'être tout seul. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Malheureusement j'ai loupé le headshot, je vais essayer de tirer mieux là. Ah donc sumaire deux coups quoi, c'est gaspillage power, mais vous voyez les headshots sont quand même un peu plus galères à faire que dans l'original. Apparemment l'autre ça a dû le refroidir. Ah putain j'ai pu avoir de place. Et puis si je combine là ça va pas marcher j'imagine. Et ouais forcément ils veulent faire chier. Parce que là il y a une herbe rouge, on dirait qu'il y en a une deuxième. Non il y en a qu'une. Bah tant pis on va repasser par là. Hein. Ça doit être un poignard, je pense. Voilà. Tain, ils mettent la dose de poignard ici, quoi. Alors attendez, parce que ça m'emmène où ça. Donc, ça, c'est oui, dans l'escalator. Enfin, l'escalator, le. Putain, à chaque fois, c'est pas possible. Quand c'est échelle, j'ai escalier, je sais pas si vous avez remarqué. Et quand je vois un ascenseur, soit je dis escalateur ou des fois je dis escalier, je crois. J'arrive jamais à dire le bon mot, c'est pas possible. Hein. Je sais pas pourquoi je bug comme ça, c'est pas compliqué, mais non, à chaque fois je me trompe. Ah, il parle de Raccoon City. Il y a plusieurs petits objets sur l'étagère, en y regardant de plus près, vous remarquez le sceau de Raccoon City sur un plat cassé. Ok. Y a rien à prendre ici? Ouais bon ça c'est bon j'ai compris hein je pense. J'ai dû louper un truc. Mais vu que je vois rien aussi. Attends j'ai cru voir un truc clignoter là. Ça devait être un reflet à la con. Peut-être là-bas alors. Ici non y'a rien. Ah c'est tellement sombre aussi pour voir ce qu'il y a. C'est pas pratique quoi. C'est sûr que ça participe à l'ambiance du jeu, mais. Voilà quoi. Étant donné qu'il y a de l'eau, ça va faire quelque chose. Je sais plus. Je me rappelle même plus de ce passage. Bon, allez, on va le faire. Je vais faire une sauvegarde rapide avant qu'à bout. Mais bon. Sauf que je vais me faire électrocuter, mais ça, je m'en rappelle plus du tout, honnêtement. L'alimentation semble fonctionner à nouveau. Ok. Bon, ça c'est logique, hein. Ok. Il y a plein d'eau autour de nous, mais on ne meurt pas électrocuté. C'est quand même plutôt pas mal. Bah, d'un côté, tant mieux, hein. Je vais pas me plaindre non plus de pas être mort, mais c'est pas très cohérent. Putain, il y a forcément un objet là, c'est en rouge, j'ai loupé un truc. Parce que là, je viens de là. Ah, mais merde! Tu m'étonnes que c'est rouge, il y a les plantes. Bah oui, forcément, tant que je les ai pas pris. De toute façon, je vais pas pouvoir les prendre maintenant, donc je vais forcément revenir. Il faudrait que je revienne rapidement, parce qu'après, s'il se transforme en Crimson, ça m'embêterait de gaspiller des munitions pour ces Gugus. Donc là, on arrive dans la cuisine, je crois. Parce que j'ai pas regardé le plan, mais c'est ça. Donc on les entend marcher. On vient par là, Bouli. Évidemment, voilà. Bah oui, mais du coup en haut il y a les hunters. Ah, putain, c'est chiant, ça fait des allers-retours pas possibles. Donc c'est pas grave, je vais revenir, pas le choix. Donc après je prendrai l'ascenseur. Mais d'abord je remonte. Parce que là faut que je dépose des trucs, je suis vraiment plein à ras-bord. Fais pas chier, fais dodo, ta gueule. Ok, ils ont pété les portes hein, comme ça. Bon, ça évite de se taper des chargements, c'est bien. Si on peut dire. Donc voilà. Ouais, forcément, hein, vu que là, c'est pareil, ça j'en avais pas parlé, mais il y a beaucoup de temps de chargement. Comme à l'ancienne, mais en fait, c'est parce qu'ils ont voulu respecter. L'origine du jeu, parce que si vous en rappelez, les portes qui s'ouvrent comme ça, c'est des temps de chargement cachés, mais ça participe aussi à l'ambiance, c'est pour ça qu'ils les ont gardés.
parce qu'il pouvait largement, enfin il pouvait en mettre beaucoup moins. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a des portes qui sont pétées et qu'on peut passer sans que ça charge, puisque la console peut largement le faire. Mais à l'époque, forcément, il y avait des restrictions. Quoi. Donc, le bouquin, normalement, c'est là où il y a la médaille. Moi, je vais l'examiner maintenant, comme ça, ce sera fait. Voilà, la médaille aigle. Et on va poser du bordel, parce que là, je suis un petit peu plein avec leurs conneries. Tac. L'herbe blanche, on va la mettre en dessous. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas non plus 10 000 trucs à prendre, il y avait juste deux plantes, je crois. Donc on va y retourner. Ah là là, les allers-retours. Mais ouais, là, le coup de l'ascenseur à remettre, je me rappelais pas du tout que c'était comme ça. C'est évidemment, en jeu original, l'ascenseur marche très bien. C'est encore ça, comme je vous dis, ils rajoutent toujours un petit peu de durée de vie comme ça. Donc d'un côté, comme je vous disais au tout début du jeu, heureusement qu'ils ont fait ça, parce que sinon ils seraient vraiment pas fait chier, quoi. C'est vraiment le remake, hop, je le fais, et puis je me foule pas, quoi. Donc là, ils ont quand même rajouté quelques trucs, mais d'un autre côté, on pourrait se dire, ils sont pas fait chier non plus, parce que voilà, c'est juste pour rajouter un peu de durée de vie, mais bon, ça reste le même jeu, quoi. Donc on peut l'interpréter de manière assez négative, je dirais. Bon, après, je fais pas partie non plus des gens qui critiquent ce genre de détails, donc on va dire que c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que si on en réfléchit un peu, c'est juste pour ajouter un petit peu plus de durée de vie en rajoutant des petites énigmes bateaux comme ça, qui sont finalement très simples à faire. Donc moi, je vais récupérer mes plantes. Enfin, ma plante, il n'y en a qu'une en fait, parce que j'avais récupéré la bleue déjà. Tac. Normalement, c'est bon, je vérifie le plan. Ah, donc il reste quelque chose. Mais qu'est-ce? C'est ça le problème. Parce que là, je viens de là. Là, il n'y a rien par terre. Normalement, j'ai quand même appuyé, mais... Ouais, je vois rien, donc c'est pas ici. Par contre, là, il n'y a qu'un zombie au sol. Et l'autre, il est où? Il y en avait deux que j'ai buté. C'est bizarre. C'est étrange. Parce que là, je vois pas, moi... Et je vois rien du tout, il doit y avoir un truc, mais où ça? Je sais pas. Je vais rester... Enfin, je vais pas me rester bloqué non plus, mais il faudrait que je trouve... Je me rappelle plus du tout, honnêtement. Là, j'avais déjà fouillé, mais peut-être que je l'ai mal fait. Bon, après, c'est les trucs de Raccoon City, là, comme ils disent. Je ne me rappelle pas. Ah, ok, super. C'est juste ça. D'accord. Tout ça pour un chargeur de pistolet. Ouais. Bon, au moins, on l'a récupéré. On va pas se plaindre. Hein. Ça fait des munitions en plus. Et bon, c'est quand même une blague. Donc voilà, c'était juste ça qu'il fallait prendre. Ok, ils sont marrants, tiens. Donc on va retourner à la salle de sauvegarde. Oui, je sais, je fais plein d'allers-retours. Mais bon, c'était vraiment pour être sûr de tout prendre avant de continuer, puisque là, maintenant, on va aller à l'ascenseur. Mais je vais reprendre mon lance-grenade. Si je me rappelle bien, on va monter plusieurs étages. Et on va arriver en haut de la bibliothèque, je crois. Il me semble que ça marche comme ça. Ça, encore une fois, je suis pas sûr à 100%. Parce que c'est d'après mes vagues souvenirs. Donc on verra. En espérant évidemment que ça se passe bien, mais normalement, comme je vous dis, si je fais la technique... Enfin, j'aimerais essayer de faire cette technique-là. D'habitude, je le fais pas, je tourne autour de la bibliothèque centrale au rez-de-chaussée. Mais là, j'aimerais essayer de faire la technique de l'échelle pour voir si c'est valable ou pas. Parce que vu que Jill prend du temps à monter aussi l'échelle, peut-être que le serpent a le temps de nous bouffer en haut, je sais pas. Donc voilà, c'est un peu de l'expérimentation que je vais faire dans la vidéo. Donc ça se trouve, je vais complètement me chier dessus. Mais c'est surtout pour faire du test, pour voir si c'est valable ou pas. Pour la suite, quoi, tout simplement. Comme ça, quand je referai le jeu, je pourrai voir si c'est cool.
Donc j'ai encore une herbe rouge, mais j'ai pas l'herbe verte qui va avec. On en récupérera un petit peu plus tard. Le flingue, on va le laisser là où il est. Il est très bien comme ça. Tac. Donc ça... Ah, je l'avais gardé sur moi, ça, mais je m'en fous, ça. Moi, je le repose. Voilà. Donc le lance-grenade. Tac. Normalement, ça devrait suffire, 6 grenades. Au pire, je le finis aux pompes. Ah, mais j'ai plus beaucoup de munitions de pompe, remarque. C'est bizarre, d'ailleurs, j'en ai plus... Parce que j'ai buté, quoi, 2 zombies, j'aurais mis... Enfin, j'ai mis 2 coups de pompe à l'un, l'autre, un seul, ça suffit, donc 3 coups. Il y avait un hunter, j'ai mis 2 ou 3 coups, je crois. Ah, putain, ça part vite, les munitions. Non, bah, je vais utiliser le lance-grenade, en fait. Ce pompe, j'en ai plus beaucoup. Je préfère le garder après parce que il y aura quand même d'autres hunters plus tard, donc je préfère faire ça comme ça. Donc là, c'est bon. Je vais reprendre un soin au cas où pour être vraiment sûr. Comme ça, je pars paisiblement sans être en stress, on va dire. Mais normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais. Comme ça, je suis tranquille. Donc là, je fais un max d'aller-retour dans cette vidéo. Mais voilà, c'est comme je disais, de toute façon, dans le 1 aussi, hein, quand je faisais des allers-retours, c'est ce que je disais, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Les Resident Evil à l'ancienne, hein, c'est... Enfin, à l'ancienne. Les anciens héros, quoi, c'était beaucoup d'allers-retours. Hein. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'ambiance du jeu, que ça soit chiant ou que ça participe au stress ou je ne sais quoi. Donc nous, on va aller là-bas. Donc ici, de toute façon, il s'arrête pas. Voilà. Donc là, il s'arrête pas. On est obligé de prendre par la cuisine, forcément. Donc on y va. Donc là, c'est bon, j'ai fait le ménage partout. Par contre, l'autre, je l'ai pas décapité, celui qui est par terre. Hein. Il me semble. De toute façon, on va voir s'il y a son cadavre. Ouais. Donc il me fera sûrement chier à se réveiller à un moment ou à un autre, j'imagine. Forcément. Tac. Donc là c'est sympa parce qu'on voit carrément la plateforme descendre, c'est plutôt cool parce que dans l'original ça faisait juste ça, hein. On voyait la porte s'ouvrir et se refermer. Ah par contre là l'ascenseur il change de skin, c'était beaucoup plus large et là il devient plus petit, c'est normal le truc. Il a rétréci au lavage. Donc là du coup on arrive, voilà. Donc ça a pas changé, c'est pareil que dans l'original. Donc il y a un zombie dans le coin. Ah par contre là ils l'ont placé judicieusement. Parce que dans l'original il était là. Je sais pas si vous en rappelez, il était au fond là. Et en fait il servait à rien parce que... En fait on allait directement à la porte donc il avait jamais le temps de nous choper. C'était un zombie qui servait vraiment à rien. Donc lui on va le buter maintenant. On va essayer de lui faire un petit headshot comme l'autre. Voilà. Donc là parfait, ça se passe assez bien. Alors, donc là, il y a les plantes, ça n'a pas changé. Par contre, bah oui, c'est toujours pas maintenant, le serpent, putain, mais ils font chier avec leur truc. Mais il me semblait que le serpent, c'était bientôt, quoi. Ils me font mentir. Donc là, normalement, ça me ramène au manoir où on a déjà été. C'était une porte qui était verrouillée. Ah, ça me ramène ici, ok. Donc, si je prends la porte là, je pourrais retourner à la salle de sauvegarde. Bah c'est ce que je vais faire, hein, parce que je suis déjà plein et je sais vu qu'il y aura pas mal de bordel à prendre. J'enchaîne les sets de sauvegarde, hein, je suis désolé, mais c'est un petit peu la merde, quoi. Apparemment, il n'y a pas d'hunter, hein, ou du moins, ils ont pas le temps de réagir. Mais il y a moins d'hunter que dans l'original, j'ai l'impression. Ici, on a peut-être un, au moins. Il n'y a que dalle. Ils vont peut-être défoncer les vitres plus tard, parce qu'il y a un moment où je sais qu'il y en a qui défoncent les vitres. Après, je sais plus à quel passage c'est. Bon, là, on va utiliser la clé. Voilà, comme ça, c'est fait. Mais, ouais, on n'en voit jamais d'Hunter. C'est limite triste. Moi, je suis habitué à en voir plein. Surtout que là, on peut les shooter facilement. C'est des crevards, quoi. Pour une fois qu'on peut se... Je dirais pas se... Comment je pourrais dire ça ? Se défouler, entre guillemets, sur les Hunters qui nous ont fait souffrir autrefois. Ils nous en mettent presque pas. Je trouve que c'est abusé, quoi. Donc les soins, bah, je les repose, putain. Là, je vais recharger. Je pense que j'ai peut-être récupéré des munitions de pompe. Donc, autant que je les garde, ça va se combiner.
La clé, je sais pas s'il y a des trucs à ouvrir avec, je la garde au cas où. Le soin, je le prends pas parce qu'il y en a qui m'attendent là-bas. Puis on y retourne, hein, encore une fois. Désolé, une nouvelle fois pour l'aller-retour inutile. Donc le serpent, c'est pas encore maintenant finalement. Ça fait assez bizarre parce que dans l'original, hein, dès qu'on retournait dans le manoir, on pouvait y aller direct, quoi. Mais non, là, c'est différent. Remarque, est-ce que je prends les trucs direct là? Non, on va d'abord faire l'autre truc. Chaque chose en son temps. Les joyaux, on ira les prendre après. Donc, il y a des herbes à prendre. Il y a aussi une batterie à prendre. Il y a sûrement aussi un disque émo, comme dans l'original. Donc, ça fait déjà. Donc, les herbes, je vais les combiner. Je crois qu'il y avait deux vertes et une rouge. Donc, ça va prendre trois places. Donc si je combine la rouge et la verte, 2 places. Plus la batterie, 3 places. Plus le disque ammo, 4 places. Peut-être des munitions et des rubans, on verra. Je vais d'abord prendre ça. Ah oui, puis il y aura peut-être des obus aussi. Bah oui, puisque dans le 1, il y avait deux trucs de grenades. Ah, donc là, il y a des cartouches de pompe. Bon, déjà, on prend la batterie, plus important. Tac. Sur l'étagère se trouvaient des objets, machin, on s'en fout. C'est cool. Donc nous on prend ça. Donc là il y en a moins, mais c'est des grenades acides. Donc d'un côté c'est mieux parce que les grenades acides c'est un peu plus puissant contre les monstres organiques. Donc voilà les fameuses munitions de pompe, c'est pour ça que je les ai pas posées, comme ça se cumule. Donc déjà là il y a un petit peu moins de choses. Donc ensuite je vais prendre les herbes. Donc là, il y en a trois, il me semble. Voilà, deux vertes et deux rouges. Une rouge. Donc, tac. Donc, je vais la combiner direct. Ouais, ça va vite se remplir, ça, avec les obus. J'avais oublié qu'il y avait les obus aussi. Il y a trop de trucs à cet endroit-là, c'est abusé. Tac. Hop. Voilà. Bon, ça va être un peu la merde, on verra bien. Parce que là, une place. Donc, je sais qu'il y a minimum 10 camo. Il y aura peut-être des munitions de flingue. La poignée est cassée, n'est pas possible. D'accord, ok. Ça, je me rappelais pas. Encore une fois, ils aiment faire chier. Un crochet au mur, c'est pas mal, machin. Alors, la poignée, elle est pétée. Ok. Ouais. Ah, j'ai oublié un truc là-bas. Je croyais avoir tout pris. Non, c'est pas là, c'est là-bas. Enfin, je croyais avoir tout pris, mais qu'est-ce qu'il me fait? Donc du coup, là, on a le truc pour l'ascenseur. Oh, c'est carrément remanié, cheminement, par rapport au... Oh, super, un petit lot de batterie, un truc qui sert à rien. Enfin, si, pour les chiens, encore, on va pas râler, hein, pourquoi pas. Et c'est tout. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, ouais, finalement, il n'y avait pas grand-chose à prendre. Ah, je me rappelais pas que la porte était fermée, par contre. Décidément, je me rappelle plus de grand-chose dans ce passage-là. Donc, ici, il y a toujours le Crimson End, normalement. Il y a même deux zombies normaux, je crois. Bon, on les voit jamais, en fait, ils viennent pas. Ah, si, il y a le zombie normal, là. Mais les autres ils viennent pas donc. Bah tant mieux pour moi j'ai envie de dire. Mais... Ça se trouve le Crimson Head il a disparu, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Peut-être qu'au bout d'un moment ils se disent allez hop, je rentre chez moi. Ah bah en v'là un Hunter. Donc ouais il réagit pas en fait. Ok. Bah reste tout est, hein. Ça m'économise des balles. Je vais aller récupérer les joyaux du coup. Bon là j'ai pas de place donc... Putain faut que je redépose constamment des trucs, c'est chiant quand même. Enfin remarque, est-ce que je suis vraiment obligé parce que... Ouais. On va en prendre un et puis l'autre je le prendrai après. Parce qu'il y a les munitions à prendre aussi ici. Il y a des munitions de pompe je crois, ou de grenades. Toi, je vais te pousser après. Donc, il y a l'histoire de l'aigle, hein, ça c'est pareil. C'est, j'ai envie de dire, toujours pour ajouter un peu plus de durée de vie. Hein. Dans l'original, il fallait juste se contenter de ramasser le truc quand il faisait noir. Et là,
faut faire attention à l'aigle, sinon on doit recommencer à chaque fois. Y a pas de munitions de pompe, apparemment. Il y avait du magnum aussi dans l'original, mais tout ça, on peut faire une croix dessus. Donc moi déjà, je vais pousser les meubles. Et après, on va voir pour le reste. Tac. Alors, je sais plus à quel endroit il est exactement. Ouais, donc je pourrais prendre l'œil sans souci. Si j'ai pas assez poussé la commode, ça sera un peu con. Là, c'est pareil, on va pousser. Donc, j'ai pas pris l'obus exprès parce que je veux d'abord prendre la pierre précieuse avant. Je vais prendre la pierre précieuse. C'était quoi déjà? Oui, c'est la jaune pour le tigre. Donc, je vais d'abord prendre la jaune. Donc, ça, c'est la rouge et ça, c'est la jaune. On va essayer de bien le bloquer avant qu'il me fasse chier, lui. Voilà. Tac, t'es content. Je déséquipe pour aller plus vite. Hop. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon. Au revoir, je me casse. Et oui, l'aigle, tu te fais vieux, t'es trop long. Ah oui, c'est vrai, il y avait un document à lire, j'ai oublié, je crois. C'est le fameux plan pour les stars. Donc, email du responsable de la sécurité. Confidentiel à responsable de la sécurité. Date 22 juillet 98, 2h13. Le jour J approche. Exécutez les procédures suivantes sous 8N. Sous 8N, d'accord. Mesure immédiate exigée. 1. Faire venir les membres des stars sur le domaine et obtenir des données de combat brutes sur les performances des armes biologiquement modifiées contre les membres des stars. 2. Recueillir 2 embryons de chaque spécimen mutant à l'exception du tyran. Éliminer le tyran. 3. S'assurer de la destruction complète du laboratoire Harkley, ainsi que de son personnel et de ses cobayes, faire passer leur mort pour un accident. Une fois les procédures ci-dessus exécutées, contacter le quartier général pour de nouvelles instructions. Si pour une raison quelconque vous vous trouvez dans l'incapacité de mener à bien la procédure dans le délai indiqué, informez-nous-en immédiatement. En cas d'urgence, appelez directement le poste 5691. Bonne chance, le quartier général d'Umbrella. Donc, je vais regarder les fichiers d'ailleurs si j'en ai pas loupé. Ouais, donc ça c'est bon. Je sais pas justement si j'en ai loupé. Apparemment, il n'y a pas l'air. Donc là, il doit en manquer un. Mais ça, je vais sûrement le récupérer après, parce qu'il y a encore des choses à faire dans la résidence. Donc ça, là, j'ai pas loupé de document hein, au premier abord, donc c'est bon. C'est juste ce que je voulais voir. Ça aurait été quand même dommage. Parce qu'il faudrait quand même que j'essaye de tout vous montrer dans le jeu. Donc c'est pour ça que je fais attention aussi à ça. Donc là, il n'y a toujours pas d'ennemis ici, mais ça devrait pas tarder, je pense que là-bas, il y a des fenêtres. Ça m'étonnerait pas de voir des hunters débarquer. Enfin, en tout cas, je sens vraiment le truc venir à 30 km. Donc on verra ça. Alors, je suis à combien de minutes, hein, parce que ça passe vite, mais le problème, c'est que je fais pas grand-chose. Enfin, j'avance, mais vu que je fais plein d'allers-retours, je perds du temps bêtement. Alors, vite, tac. Je vais prendre une herbe rouge pour la combiner. Non, ça je garde sur moi, ça je vais poser par contre. Tac. Herbe bleue, je vais prendre celle qui est le plus en bas, tac. Hop, alors, tac, 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 voilà. On repose. Hop. Donc ça, je vais le mettre. Je sais même plus ce que je vais récupérer, puisque le magnum, j'ai récupéré. Donc ça sera sûrement des munitions de magnum. Ou peut-être un objet de quête pour... pour la quête, j'ai envie de dire. Normal, quoi. Donc je vais voir si c'est ça ou pas. Donc j'équipe le pompe. Parce que je sais plus si les hunters ont débarqué au bout d'un moment, mais... Il suffit que j'en parle. Je vous l'avais dit, hein, ça c'était prévisible. Ah, il a enfin réussi à me toucher. Ce serait presque étonnant. Il y en a pas un deuxième, hein. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je vous l'avais dit, hein, c'était prévisible.
suffit que j'en parle avant pour qu'il débarque enfin. Je sais plus si c'était dans ce couloir ou pas, mais bon, vu que là, il n'y avait aucune vide de pété, fallait bien que ça arrive. Donc, deux interminables. Par contre, il y en a un qui a enfin réussi à me toucher. Je suis étonné. Mais bon, on voit clairement qu'ils sont carrément moins robustes que dans l'original. Parce que dans l'original, il fallait 3 cartouches de pompe. Et puis, en sachant qu'ils sautaient dans tous les sens, hein, comme vous le savez. Donc, franchement, ils sont carrément plus simples dans le jeu. Quoi. Y a pas photo. Hein. Donc, je vérifie avant. Normalement, c'est bien le jaune. Hein, voilà. Tac. Donc, on va voir ce qu'il y a. Ah, un disque émo, d'accord. Ok, donc c'est pas du tout ce que je pensais. Enfin, un objet de quête, j'avais dit au pif, mais je pensais pas à celui-là en particulier. Donc, d'accord. Bah, c'est tout. De toute façon, y a plus rien. Voilà, c'est fini. Donc, le fameux disque émo, ok. Donc, il est là, donc dans la bibliothèque, ça sera peut-être pas ça, du coup. On verra bien. De ce côté-là, je suis pas en découverte pour globalement le cheminement du jeu, on va dire. Mais pour l'emplacement des objets de quête, là, je me rappelle plus du tout, honnêtement. Moi, je me fie toujours à l'original, et puis après, je vois s'il y a eu des modifs ou pas, quoi. Donc ça, c'est bon. Du coup, je vais aller récupérer l'autre qui est en haut. Et puis les grenades. Et après, on verra ce qu'on fait avec tout ça, déjà. Enfin, le disque MO, déjà, il va poser tranquillement dans le coffre. Et pour le reste, on va voir. Donc, je vais d'abord ramasser les grenades. Tac. Donc, toi, tu me suis. Voilà, regarde-moi, je suis ici. Il est pas à fond. Voilà. Reste bien bloqué. Tac. On se dépêche. Et pourquoi il s'est remis là, lui? Ah oui, putain, oui, c'est vrai, vu que j'avais quitté la... Ah merde, j'ai pas vérifié avant, ça, ce détail. Et merde. Donc forcément, faut que je recommence. Bon, allez, je suis là, là, attardé. Là. Voilà, c'est bien, t'es intelligent quand tu veux. Alors, bouge pas. J'attrape ça, voilà. C'est bon. Donc normalement c'est bon, j'ai tout pris ici, voilà, c'est vert. Je crois qu'on peut l'examiner, il me semble. Je sais pas si dit, c'est pire avec la tente est magnifiquement polie, machin. Bon bref, rien de spécial. Donc ça c'est bon. Alors, je vais regarder une nouvelle fois la carte pour voir où j'en suis, si j'ai oublié des pièces. Donc je vais d'abord poser tout ça. Parce que là, le joyau rouge, je me rappelle même plus où je pourrais le mettre. Donc là, je vais voir avec l'un des objets que j'avais récupéré. Ça veut dire, ça se trouve, c'est pas ça, ou je sais pas, mais je m'en rappelle plus. Donc on va voir, je le fais au pif, là. Moi, je le vois bien avec la boîte à bijoux, mais je me rappelle même pas si c'est ça. Ça se trouve, c'est une grosse connerie. Mais... Apparemment, c'est ça. Bon, voilà, enfin, la petite énigme à la con, faut replacer ça dans le bon sens, voilà. Donc je m'étais pas trompé. Au moins je passe pas pour un abruti. Ah oui, donc il y a un sens. Par contre le sens, je m'en rappelle plus. On va mettre ça comme ça, voir. Tac. Ça. Ça a l'air d'être en haut ce truc là, non? Putain, c'est flou, ils sont marrons. C'est flou, comment on fait pour voir si c'est ça? À mon avis, ça doit être là. L'autre, j'ai du mal le mettre. Ouais, ça doit être en bas, ça, vu que c'est le... Une petite déco d'en dessous. Comment on fait pour sélectionner? Tac. Voilà, ça se met en bas, ouais, parce que les petits rubans comme ça, c'est souvent en bas que ça se met. Donc l'autre objet, c'était lequel? C'était celui-là que j'avais pris. Ça doit être là. Tac. Mal à voir, il pourrait être mis. Ah, si, il peut se mettre là. Non? Parce que le truc, il est énorme, donc forcément. Apparemment, c'est une bordure. Donc, c'est l'autre que j'ai pas bien mis.
On va essayer de voir les autres. Je rappelle même plus. Honnêtement, je fais ça au pif, on verra bien. Tac. Là, ça doit être là, je pense. Oh, mais ça, c'est l'autre qui gêne, là, putain. Tac, dégage, toi. Hop. Ouais, ça doit se mettre là, je pense. Bon, ils vont me faire chier longtemps, comme ça. Voilà. Tac. Ça se met là, voilà. Oh, mais ça y est, c'est parce que l'eau, je l'ai pas bien mis, c'est ça. Au millimètre près. Et des fois, ils nous assistent à mort, et à d'autres fois, ils vont nous faire chier pour un petit détail. Merde. Tac. Ça, c'est bon. Voilà. Mais c'est bon, putain, voilà. Tac. Bon, j'ai encore dû me louper quelque part. Ah oui, c'est l'autre qui est pas bon. Mais c'est dans quel sens ça? C'est flou, moi. J'arrive pas à visualiser leur truc. Mais... Ça doit être en haut, je pense. Bon, je vais tout jarter. Mais ils sont gentils là, avec leur truc flou dégueulasse là. Bon, on va recommencer, mais je vais d'abord poser ça, parce que ça me saoule. Ah là, je te jure, prise de tête pour une énigme à la con. Et voilà, c'est tellement flou, on n'arrive pas à voir. Après, c'est peut-être parce que je suis là sur la version Dolphin, du coup l'écran est plus grand, peut-être que ça joue, je sais pas. Mais là, c'est flou, donc moi, j'arrive pas à voir. Bon. Ça, je vais le remettre en bas, parce que pour moi, je suis convaincu que les rubans, ça va se mettre en haut. En bas plutôt, parce qu'en haut j'ai du mal à voir ça comme ça. À moins que. On va essayer comme ça pour voir. Bien ajuster, ça te fait plaisir, tac. Ça je le vois bien là, tac. Ouais, donc là ça a l'air de coller là. Je me trompe pas pour une fois. Toi, tu vas sûrement te mettre. Dans ce sens. Non, pas dans ce sens-là. Donc là, il y a la bordure, donc ça doit être là, je pense. Quoique. Non, on va pas mettre celui-là, on va mettre les autres d'abord. On fait par élimination. Mais ça, j'arrive pas à voir à quoi ça ressemble, quoi. Bon, une fois que ça sera assemblé, déjà, ça ressemblera un peu plus à quelque chose. De toute façon, il n'y a pas 36 choix possibles, ça doit être ça, je pense. Tac. Oh, c'est bon là, c'est bon. Pourquoi il veut pas se mettre là? Oh, c'est chiant. Ça a l'air d'être bon, pourtant ça correspond avec l'image. Tac. Oh, mais ça y est, dès que ça dépasse un peu, ils vont me faire chier à chaque fois. Bon, là, c'est bon, là, tu vas arrêter de me faire chier. Ça va rentrer, là. Ah, putain, cette énigme à la con. Voilà, ça doit être bon, là. Je pense. Non? Mais il se fout de ma gueule, ou... Voilà, putain, et ça joue au millimètre près, ça y est. Oh. Bon, voilà, la clé de l'armoirie, donc celle-là, je sais où l'utiliser, maintenant. Putain, tout ça pour une clé, quoi, sans déconner. Bon, donc ça, j'utiliserai après. La dernière clé, je sais pas où je m'en sers, je vous rappelle plus, on verra bien. Donc, au sous-sol, j'y étais, c'est bon. En haut, j'y étais, c'est bon. Donc, il reste... Il reste deux endroits alors.
Donc ouais, on verra ça dans l'épisode suivant, parce que là, ça passe vite. Surtout que j'ai bien ramé dans cet épisode-là. Là, je peux pas dire le contraire. Mais franchement, là, je me rappelais plus de leurs énigmes à la con, là, qui prennent 10 ans. C'est juste pour ajouter du temps de jeu, honnêtement. Ils sont vraiment pas chiés de ce côté-là. Encore une fois, c'est peut-être pour ça que je préfère aussi l'original, parce qu'au moins, c'est du vrai jeu, et ils se contentent pas de rajouter deux petites énigmes comme ça de temps en temps, juste histoire de nous faire perdre du temps et donner l'impression qu'on a joué 2 heures de plus, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez dû vous marrer un petit peu et peut-être péter un câble sur votre écran en me voyant galérer. Ce serait que d'habitude, j'avance un peu plus vite. Mais bon, là, maintenant que j'ai la clé, ça va carburer normalement. Donc n'hésitez pas à commenter, puis bah, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus!